que je vais faire, je vais tester le mode course. Donc il y a le mode toujours découverte où il n'y a pas de courant, hein. L'eau c'est un lac. Et le mode race, le mode course où vous allez avoir du courant. Voilà. Alors ça c'est mon dernier score, hein, 2,29 que j'avais fait il y a un petit moment de ça. C'était il y a quelques mois en arrière. Hein. Et donc là en fait il y a dans le mode course il y a une sorte de système asynchrone. Ça veut dire qu'en fait vous allez vous battre contre les fantômes des joueurs qui ont fait des super scores. Attendez, je vais mettre quoi, moi. Je vais mettre ami, j'ai que moi-même, donc ça sert à rien. Silver, gold. Ouais, je sais pas. Ça doit être les joueurs. Donc je pense que ce sera les 10 premiers. En fait, les 10 premiers. Et vu que je mets ici le personnel best run, ça y aura moi aussi. Donc je vais me battre contre les 10 premiers. Et moi-même. Voilà. Allez, on va tester. Alors voilà, ils sont pas vraiment là. C'est des courses enregistrées qui sont remis en mode fantôme. Donc vous pouvez pas vous mettre des coups de rame dans la gueule. Attendez, par contre, je vais me reculer. Comme ça. Je suis plus en avant, vous voyez. Peut-être que je vais peut-être taper mieux. Allez, c'est parti. On va essayer de faire un truc bien. Ah, déjà, vous voyez, j'ai changé ma position dans le kayak. Ça va mieux là. Ah ouais, ça y est, j'ai pigé. En fait, il faut se mettre plus en avant. En fait, quand vous recentrez... Quand vous recentrez votre kayak... Il faut vous mettre assez en avant. En fait, vous reculez sur votre siège. Hop. Vous recalibrez. Putain, je mets un mauvais coup. Oh. Purée. Allez, avance. De tchou. Ah la vache. Ouh. Eh, 2,04, ouais, j'ai été mieux. Et encore, je me suis mis... Je suis combien maintenant? 24e, ouh, ça descend. Hein. Ah, écoutez, en tout cas, franchement, regardez, il y a tout le monde qui arrive derrière déjà. Je commence à être meilleur que certains. Cool, regardez ça. Excellent. Là, tout le monde s'est agglutiné. Bon, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, je vais rester sur ce score qui est plutôt sympa. Ah, faudrait que j'essaie en dessous des 2 minutes, ça serait bien. Bon, allez. Bon, je vais pas refaire de course finalement. Je vais arrêter là. Comme ça m'évitera de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, le jeu sort le 28 juin. Avec 4 environnements différents, donc il y aura le canyon, il y a Antarctique, il y en a un autre avec un phare, avec l'orage, tout ça, je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça a l'air pas mal. Les courses comme ça, en asynchrone, c'est plutôt sympa aussi. Ils pourraient faire des courses aller et des courses retour pour faire plus de circuits.
c'est pas mal en tout cas. Le mode custom, voilà, vous débloquez suivant les scores et suivant les courses que vous allez faire, vous allez débloquer des skins. Bon, c'est un petit plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. Moi, pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis longtemps, j'ai l'impression qu'ils ont amélioré aussi le déplacement, parce que je me déplace vachement mieux. Mais en tout cas, très très sympathique le jeu. Voilà. En plus, c'est bien ça. Si vous êtes dans un endroit un petit peu confiné où il fait un peu chaud, ça vous fait monter la température direct. Hein. Bon allez, je vais vous laisser là, moi les amis. Je vous dis à bientôt. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça fait toujours plaisir un petit abonné par-ci par-là. Même si vous arrivez au compte-gouttes, bon bah c'est bien, ça arrive en ce moment. Donc c'est plutôt cool. Et puis je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un autre jeu là à vous présenter, donc je vais de ce pas aller le faire. Et moi, je vais arrêter cette vidéo. Ciao tout le monde.